Bonjour à tous et bienvenue sur Usitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Perfect World Mobile sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un punch avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Nous pourrons facilement télécharger et installer Perfect World Mobile et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Perfect World Mobile. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord les amis, la toute première chose à réaliser est de lancer notre navigateur web préféré. Nous avons ouvert ici celui que nous utilisons le plus. Passons à la prochaine URL que je mets en surbrillance en vert. Vous pouvez la voir sur mon écran. Vous n'avez pas besoin de taper cette URL, car vous disposez d'un lien dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Nous sommes arrivés ici sur le site de Usitility, là où nous avons une documentation approfondie sur la manière de télécharger Perfect World Mobile sur un PC de bureau ou un PC portable. Nous regardons rapidement cette description et cliquons avec la souris sur le choix « Télécharger BlueStacks ». Une fois que nous avons cliqué sur ce lien, nous arrivons là sur le site internet de BlueStacks qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur pour Android que nous allons utiliser pour lancer à Perfect World Mobile sur PC. Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'utilisation d'un émulateur pour Android apporte plusieurs avantages, contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de ces instances, macros, scripts, FPS plus élevé, et j'en passe. Nous allons maintenant procéder au téléchargement de Perfect World Mobile en cliquant ou double-cliquant sur le bouton jouer sur BlueStacks que j'ai mis en évidence avec du vert. Nous faisons après un clic de souris sur le bouton. À ce moment-là le téléchargement démarre et s'achève immédiatement. Et voilà, notre téléchargement est fini. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de lancer l'installateur, par conséquent nous cliquons sur notre fichier à exécuter. Si nous sommes sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des modifications au système. Nous devons accepter. Je minimise le navigateur pour bien mieux voir l'installateur. Le programme d'install est très simple. Il ne comprend que deux choix, installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il suffit de faire un clic de souris dessus. Alors nous voyons que nous pouvons regarder ici le chemin où cet émulateur pour Android sera situé après son installation. Si nous avons besoin de changer ce dossier, nous devons faire un clic de souris sur le bouton « Sélectionner le chemin ». De cette façon, nous optons pour un tout autre répertoire et installons l'émulateur Android où nous voulons. Je vais le laisser par défaut. Je double-clique sur « Retour ». Et je clique sur « Installer ». Voilà, c'est fait. Cette install commence et en partant de là elle va effectuer le téléchargement de ces mégas que vous pouvez voir sur mon écran. Lorsque vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de mégaoctets. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins rapide, selon la qualité de internet et de la vitesse des serveurs de notre émulateur. J'ai de la chance, là, ça va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode éco pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, l'émulateur s'est lancé automatiquement. Comme vous pouvez le voir, en bas, il y a cette barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit ensuite quand elle arrivera à la fin. L'émulateur pour Android sera lancé pour la toute première fois. En fait, l'émulateur s'est déjà lancé, le voici pour la toute première fois. Avant de continuer, comme vous l'avez noté, il a créé deux icônes juste ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instance. Veuillez mémoriser que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. Chaque fois que nous devrons démarrer Perfect World Mobile sur notre machine, nous double-cliquerons sur cette icône et démarrerons l'émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, Les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à l'étape suivante, qui sera incontournable, il s'agit de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Ensuite, nous allons cliquer avec notre souris sur Play Store. Comme vous pouvez le voir, le Google Play Store anciennement appelé Android Market est lancé. À compter de maintenant, nous devrons nous connecter. Maintenant que nous sommes à cet endroit, nous devons faire la phase suivante qui se trouve être exigée par Google. Aussi nous cliquons avec la souris sur Connexion. Maintenant, il indique Checking Info. Il arrive quelquefois qu'il reste figé sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si cela vous arrive, vous pouvez essayer de vous connecter à nouveau après quelques minutes de cette façon, le problème sera sûrement résolu. Maintenant, il nous faut saisir notre email plus son mot de passe. Cette adresse email sera obligatoirement une adresse mail Gmail et le mot de passe correspondant. Par exemple, vous pouvez employer exactement la même adresse électronique que celle dont vous vous servez aujourd'hui pour votre compte YouTube. Je vais par conséquent saisir mes emails et mots de passe et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Voilà, les données ont été tapées. Maintenant Google le géant nous accueille et nous montre ses conditions d'utilisation. Nous allons donner notre accord en cliquant sur le bouton « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à stocker nos sauvegardes sur le cloud de Google. Vous pouvez très bien laisser la case cochée ainsi ça créera une sauvegarde des données de cet appareil émulé sur G Drive. Je ne vais pas la cocher, mais faites comme vous voulez. On clique simplement sur J'accepte. Google Play est démarré par défaut et automatiquement. Dans le but d'installer ce jeu ou une toute autre appli Android, nous devons nous rendre sur le bureau de notre émulateur en cliquant une ou deux fois sur cette icône indiquée avec du vert. Désormais puisque nous sommes sur le bureau de l'émulateur pour Android, nous voyons que nous pouvons utiliser ce bouton Installer le jeu. Nous double-cliquons sur ce bouton visible à l'écran. À cet endroit, nous avons notre jeu. Alors cliquons avec la souris ici même sur le bouton Installer, que je mets juste pour vous en vert. À ce stade, l'installation est sur le point de commencer. À partir de maintenant, notre émulateur Android va récupérer l'application et procéder à l'install du jeu. Cela peut être long ou être extrêmement rapide. Tout dépend de la qualité de notre connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà terminé. Maintenant, allons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant sur le bouton que je colorie en vert, de manière à initier Perfect World Mobile pour la première fois. Nous sommes déjà sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous allons cliquer avec notre souris sur la nouvelle icône du jeu Perfect World Mobile qui a été généré. Le jeu est lancé pour la toute première fois. Voilà, je peux cliquer avec notre souris où je veux sur mon écran mais également aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vais commenter le volume de l'émulateur pour Android. C'est ici. Nous découvrons ensemble l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume. De cette façon, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de Windows pour accroître ou diminuer l'audio de notre émulateur. Après, pour profiter au maximum de l'expérience de jeu, nous pouvons lancer l'application de jeu sur notre grand écran, pour cela nous avons à notre disposition deux choix. Voici la première occasion où nous allons cliquer sur cette icône que je vous mets en évidence en vert. À ce moment-là maximisons cet écran, en ayant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on veut lancer ce jeu mode plein écran, on peut cliquer sur cette icône. Ainsi nous serions déjà en train de lancer cette application de jeu en plein écran. En revanche, pour repartir du mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Ainsi nous serions retournés, sans surprise, en mode écran normal. Maintenant je vais vous montrer le mapping du clavier qui est vraiment très intéressant. Ainsi, nous pourrons nous servir du jeu bien plus aisément. La toute première chose à exécuter est de cliquer ou double-cliquer sur l'icône de clavier. Et là, vous pourrez réaliser les configurations utiles. En ce qui me concerne, je choisis la configuration de base, malgré cela si vous voulez la changer, vous pouvez le faire sans aucun danger. Comme vous l'avez sans doute vu, l'émulateur pour Android est entièrement traduit dans notre langue. Pourtant, il se produit quelquefois que l'émulateur pour Android soit lancé dans une autre langue, par exemple en mandarin. À ce moment-là pour le mettre dans notre langue, nous nous rendons à cet emplacement sur la célèbre roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous devons bien entendu choisir la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, il nous faut sauvegarder, l'émulateur pour Android redémarre ainsi le jeu, la prochaine fois que nous le démarrons, sera de la même façon dans la langue sélectionnée. Désormais, il y a un détail supplémentaire dont nous devons aussi tenir compte, il s'agit d'un email nous informant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous avons établi la connexion de cet appareil. Effectivement, c'est bien le cas, pas de panique, parce qu'en effet l'émulateur Android émule un appareil Android. Et pour voir quel appareil a été émulé, on se rend à cet endroit, à la célèbre roue dentée et double-cliquons dessus. Et nous voilà ici à l'option « Modèle ». Nous savons désormais que l'émulateur reproduit le comportement d'un téléphone cellulaire Samsung. Par conséquent, nous recevrons un courrier électronique nous informant qu'un nouvel appareil Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tutoriel mes chers amis. J'espère qu'il vous a plu, et mieux encore qu'il vous aura été utile. Si oui, accordez-lui un gentil like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou des suggestions, n'hésitez pas à les publier dans la boîte de commentaires en bas de cette vidéo. Vous pouvez également commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je réalise des live streams de temps en temps, vous l'avez juste en dessous dans la description de cette vidéo tutoriel et dans le tout premier commentaire épinglé. Double-cliquez sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!